Bonjour à tous. Alors, avant de vous laisser regarder l'épisode 57, j'ai une assez mauvaise nouvelle à vous transmettre. En effet, j'ai perdu l'épisode 56 et c'est pour ça qu'on passe directement du 55 à 57. Alors, l'épisode 56, je ne sais pas ce qui s'est passé avec, j'ai dû faire une mauvaise manip et je ne le retrouve plus. Alors soit il a disparu pour de bon et du coup c'est un peu malheureux, mais j'aurais pu en fait, si c'est vraiment le cas, j'aurais pu simplement transformer cet épisode en 56 pour que ça suive toujours un ordre qui se suit, et je ne le fais pas, je ne change pas les noms des futurs épisodes, je laisse le trou parce que je suis pas certain que l'épisode 56 est complètement disparu. Donc si jamais je le retrouve un jour, je vous le mettrai, même s'il apparaîtra probablement après les autres, ce sera pas grave, au moins on aura la série complète. Mais malheureusement il a disparu et je peux rien faire de plus là, vous doutez bien, j'ai cherché, je l'ai pas retrouvé. Et cela me fait un peu suer, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, je peux pas faire autrement. Alors dans l'épisode de 56, je pense que... il s'était passé en fait simplement, j'avais fait quelques missions secondaires il me semble à New York ou à Boston, je ne sais plus, j'avais récupéré quelques pages de l'almanach et on avait commencé les missions maritimes, mais c'était des missions secondaires, donc rien de très important. C'est juste un petit peu dommage qu'on n'ait pas pu, qu'il n'y ait plus l'épisode, mais bon c'est tout, c'est comme ça, ça va, c'était pas le plus grave, mais je vais faire en sorte que cela ne se reproduise plus du tout dans l'histoire de No Let's Play, parce que ce serait quand même un petit peu dommage qu'on perde des bouts comme ça, surtout en milieu de route. Et du coup, il faudra que je sois rigoureux, surtout quand je dégage les fichiers de base, des vidéos, quand je les ai montées. Il faudra que je sois rigoureux et que je fasse en sorte que je ne perde plus rien. Voilà. Et puis sur ce, je vous souhaite un bon épisode et je vous dis à très bientôt. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre Let's Play sur Assassin's Creed 3. Bon, on va essayer... Ah oui, j'avais pas vu qu'il y en avait au nord là-bas. On va essayer de terminer un petit peu l'émission sur l'eau, eau brûlante. Tiens, allez, c'est parti. On va essayer de finir l'émission en mer, dans cet épisode, si possible. Après, ça risque d'être de plus en plus difficile, malgré tout. Enfin, ça dépend. Là, on arrive dans les Caraïbes. Ah, c'est que des petits bateaux à la con, là, pour l'instant. Ouais, c'est un peu loin, peut-être. Ouais, c'est un gros, ça. Merde. C'est pas ce que je voulais faire, je voulais pas tirer aussitôt. Non! Oh, c'est fatigant. Je pense que des batailles navales, on va en avoir sur Assassin's Creed 4. C'est pas pour tout de suite parce qu'il y a encore le Libération après celui-ci. Je pense que la fin de ce Let's Play approche. Mais après, ce sera le Libération qu'on fera. Oh, je l'ai à peine atteint ce con là. Raté même, complètement, voilà. Non, je voulais pas me baisser, je voulais lui tirer dessus. Au revoir, saloperie. Je ne sais pas trop si l'idée déjà d'Assassin's Creed 4 avait été pensée à l'époque où ils ont fait celui-ci. Mais je me demande s'ils ne se sont pas basés sur ça justement, sur les critiques. Peut-être que dans les retours, ils ont eu des retours positifs sur les batailles navales. Et
Ils se sont dit qu'il était temps de faire un épisode vraiment dédié à ça. J'imagine. Parce que le 4, il se passe pendant la jour de la piraterie, donc on sera en plein milieu de ça. Ce sera dans les Caraïbes, je crois. Et le rock, j'en sais rien, mais il me semble que c'est un truc aussi, une histoire. Il y a aussi une histoire de bateau. Ouais, donc les pages de la carte au trésor là qu'on avait fait précédemment, il y a quelques épisodes auparavant, c'est remplacer bien les fameux tombeaux des Assassin's Creed avec Ezio. Ouais, complètement. Hein. Je repense sans cesse au tout premier Assassin's Creed. Ça a vraiment beaucoup changé, hein, le cadre spatio-temporel et tout, et l'ambiance du jeu a complètement changé, quoi. Vraiment, on pourrait croire que ce sont deux jeux complètement différents. C'est fou de se dire que c'est la même série. Ah, oula! Je suis complètement coincé dans les rochers, là. C'est un coup à s'échouer, ça. J'arrive pas à le manier, le bateau, là. Ok. Donc, on va essayer de passer comme on peut, là. Oh, ce que c'est joli, ici. Petite île, là. Oh là là! J'aimerais bien que ça ne se reproduise pas. Capitaine! Oh! Independence, on va te défendre contre ces brigands qui arrivent. Tous les yeux sur la cible! On va tous vous avoir! Ah oui, ça c'est clair. Ah, oula, il y en a dans tous les sens! Non, boulet rond, boulet enchaîné, boulet rouge. Ça, je pense, c'est encore plus puissant. On va mettre des boulets rouges, nous. Ah! Il va disparaître l'indépendance là si on fait pas quelque chose. Hein. Ah oui, là c'est. Oula! Bon, il s'est rien passé, d'accord. Mais si on rase une fois de plus, je couperai comme d'hab. Oh, ça recommence à zéro, chier. Mais non, faut pas aller dans les rochers. Oh, quelle idée! Allez, je tourne à fond là, c'est.
Ah là là, ouh. Ouh, il est agressif là. Allez, va-t'en, cochon. Oui. Il me le défonce l'indépendance, ces cons là. Il me défonce complètement. Oh mais... Ah, il faut vraiment que je surveille les bateaux qui l'approchent. C'est vraiment très très chaud. Mais j'ai perdu plus de la moitié de sa vie. Allez, allez. Non. Ouais, on y est arrivé quand même, hein, même avec l'objectif secondaire. Je pense que c'était volontairement un peu dur comme ça. Enfin, le bateau se faisait... C'était volontaire que le bateau se fasse vraiment attaquer la gueule comme ça. Qu'on puisse pas le défendre complètement. Allez, dernière mission dans les Caraïbes, et après on ira vers le long du Canada. Ah, 1776. C'est marrant, c'est à la fois un mélange de missions vraiment voilà, sérieuses avec un peu des missions secondaires en même temps, parce qu'il n'y a pas vraiment de grands objectifs, etc. Ça ferait pas avancer vraiment l'histoire, quoi. C'est juste des petites batailles, quoi. C'est la petite façon de parler. Il faut aller plus vite, c'est toute la toile. Ouvrez l'œil, capitaine. On a assez de poulets pour couler l'Angleterre. Allez! Oh, il y a que 6! Oh, ça va aller! Ah, il y a un gros méchant quand même! Ouais, je me laisse prendre quelques dégâts avec les petits bateaux, ils sont trop mauvais là. Ils me font pas de mal personnellement. C'est le gros là qu'il faudra que. Sur lequel il faudra, avec lequel il faudra que je sois prudent. J'ai presque envie d'aller humilier le grand bateau avec des chaînes.
Non, c'est pas ça. Voilà. Ils sont morts en frère, un petit peu comme la mort de Charles Lee là, qui buvait un coup ensemble et qu'après ils sont tués là. Je me suis serré au bateau là pour faire comme si on faisait copain-copain et hop, je les ai défoncés. C'est rigolo. Que vois-je? Bon, on va repartir un peu au nord, là, tiens. Je sais pas si c'est le long du Canada... Ah, c'est peut-être le... Oh, c'est entre le Maine et le... Ouais, ça se trouve, c'est le long du nord-est des États-Unis, hein, le long du Maine. De l'ex-Massachusetts, du coup. Je sais pas si c'est le jeu qui bug ou là les mouvements, c'est peut-être dû aux vagues. Ouais, ça tremble sur la carte, tu vois. Je pense que c'est pas un bug. J'ai eu tellement de bugs là-dessus. On peut pas annuler, c'est chiant. Oh, un grand méchant. Ah, c'est des gros là. Merde, c'est parti à côté. Ça va, on a quand même pas mal de vie. C'est trois gros bateaux là, voilà. Ouais, ça va dans la flotte, c'est chiant.
Voilà. Ouf, un de moins. Ah non, il est encore vivant. Ah non, c'est bon. Lucas, je vais l'humilier avec des chaînes. Je vais laisser la mallette me foncer dessus, ce qu'on l'a. Non, c'est trop loin ça. Merde, j'ai loupé. Il m'énerve lui. Je vais le défoncer. Oh non. Bon, elle m'emmerde ces chaînes là. Je vais... On va revenir à quelque chose de plus simple. Oh les batailles toi. Au revoir. Quoi? Tu peux encore revenir toi? C'est interminable, ça m'énerve! Ça m'énerve! Ça m'énerve! Il va disparaître cet abruti là? Comment ça me fatiguer ce con là? Gros crétin! J'en ai marre, ça finit plus là! Ça y est, c'est trouble les eaux là, hein, parce que le temps a été... C'est une catastrophe, hein, la météo là. Ça aurait été mieux d'aller faire cette balade pour... sous un beau... cette bataille sous un beau soleil. Ils auraient pu organiser autrement, ils auraient pu repousser. On ne sait pas.
On va faire une dernière. Et puis on va diviser cet épisode de bataille de mission secondaire en mer en deux parties. Je sais pas comment ils font pour tirer, il y a des types sur les cornes, bon, je vois pas trop. Attention, capitaine. Pour l'instant, ce ne sont que des rochers. Voilà. Oula. Les méchants. Voilà, on va déjà se débarrasser des petits. Grand connard. Ouais, là il cède, hein. Bon, j'espère que vous avez apprécié cet épisode, et puis on continuera nos batailles navales dans le prochain. Allez, à très vite!